D'habitude, l'Asiatique était discret. Il bossait en famille et générait un revenu concret. Le juif aussi avait le sens des affaires. Il revenait de loin vu ce qu'il avait vécu pendant la guerre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que lui et l'arabe n'étaient pas amoureux. Sûrement à cause d'un passé douloureux. Un peu la même que pour le noir et le blanc. L'un se sous-estimant, l'autre se culpabilisant. C'est quel d'un esclavage qui avait largement contribué à leur métissage sans recevoir l'amour en héritage. L'Amérindien était nostalgique, parqué dans un camp touristique. Il ne voulait pas de ce sort tragique. Un jour, ils se rencontrèrent tous dans un grand ascenseur qui se bloqua au 20e étage dans la stupeur. Le juif prit un air agacé, il portait ça qui parle, l'arabe commençait à le toiser. Zéro réseau et le bouton d'alarme qui était hors service. Tout le monde commença à parler un peu sauf l'asiatique. Le temps passait, personne ne venait alors pour s'occuper. Finalement même l'asiatique s'était mis à discuter. Tu fais quoi dans la vie? T'es dans la franc-maçonnerie? Voilà ce que l'arabe dit au juif avec un grand sourire. Le juif fit monter la pression en lui répondant: non mais je connais ton patron. Le noir cria: calmez-vous, parlez-vous, vous foutez pas les boules, parce que pour l'instant y'a pas de secours. Le juif lui dit: ah c'est cool, t'es de mon côté. L'arabe lui dit: frère, pourquoi tu suces, t'es boycotté. Le blanc s'énerve, dit que c'est pas l'heure des règlements de compte. Stop, on est dans la même merde, vous faites vraiment honte. L'asiatique rigola, le noir le regarda. L'Amérindien dit: soyez sur vos gardes, car en nous il y a deux loups. Le loup de la haine et le loup de l'amour. Le plus fort vaincra un point, c'est tout. Ils répondirent en chœur: on s'en fout de ton folklore. Ici on est dans la grande métropole. Ça devenait pesant, cet état d'apesanteur. En plus on se disait pas des gentillesses dans cet ascenseur. Il n'aurait jamais dû parler de politique. Le ton commence à monter sur les sujets qui font polémique. Le noir se sentit encore obligé d'intervenir. Il leur dit: s'il y a quelqu'un qui doit se plaindre ici, c'est bien moi, quand vous avez tous exploité les miens. À part l'Indien, le seul qui ne me doit rien. Le blanc lui répondit: ça sert à quoi? On n'est pas responsable, passe à autre chose, c'est fini l'esclavage. L'asiatique dit: ça ne me regarde pas. L'Amérindien les regarda et dit: moi, je ne parle même pas. Une ambiance merde, tout le monde faisant des reproches. Raison historique, était-ce vraiment de leur faute? Tant pis, ils avaient pu s'entretenir au moins. L'ascenseur s'ouvrit au moment où ils allaient tous en venir aux mains.